Voyons ensemble le programme de formation WordPress. À l'issue de cette formation, vous saurez installer, paramétrer et utiliser le CMS WordPress. Vous serez autonome dans la gestion de votre contenu. Vous saurez maintenir, sauvegarder et contrôler la sécurité de votre site. Nous travaillerons principalement avec des extensions premium ou pour certaines que je vais vous fournir. Quels sont les objectifs de la formation? Installer WordPress, paramétrer votre CMS, bien évidemment. On va voir le paramétrage et le thème graphique idéal adapté. Savoir choisir et installer les extensions adaptées à votre métier. Savoir gérer le contenu de votre site. Gérer la maintenance de votre site. Le profil des bénéficiaires. Pour qui? Étudiants, indépendants et professionnels du web. Quels sont les prérequis? Avoir une connaissance du web en général et des outils bureautiques en particulier. Quel est le contenu de la formation? On va voir le choix de votre hébergement. Savoir prendre un nom de domaine et le brancher. Éventuellement, créer une base de données MySQL. Savoir passer son hébergement en HTTPS. On va voir ensuite le paramétrage du site. Dans le paramétrage du site, on va voir le paramétrage de base. Savoir choisir et installer les bonnes extensions. Mettre en place les outils de sécurité. Mettre en place des outils de sauvegarde. Adapter le site au RGPD. La gestion des utilisateurs. On va voir l'arborescence du site. Définir les menus de navigation. Savoir installer un blog. Installer un thème graphique, professionnel bien évidemment. Nous allons créer votre page d'accueil. Ensuite, définir les sections adaptées. À l'intérieur des sections, nous allons mettre les bonnes balises. La gestion du contenu, c'est-à-dire dans la gestion des pages, la gestion des articles. Nous allons voir comment optimiser les images. Nous allons voir comment intégrer et gérer des vidéos. Nous allons voir dans la gestion des articles, l'optimisation du blogging. Nous allons voir les bases du contenu SEO. Dans les formulaires de contact, nous allons installer l'extension adaptée à votre métier. On va mettre en place un CAPTCHA. On va voir éventuellement comment faire un formulaire sur mesure et comment rendre votre formulaire compatible au RGPD. On va voir la mise en place des widgets dans les pieds de page, savoir l'adapter, le paramétrer, comment organiser les widgets sur l'ensemble du site. Nous allons voir une procédure de recette, c'est-à-dire faire des tests sur l'ensemble des pages et des articles. Nous allons faire des tests de poids de chargement, des tests de qualité, des tests CSS et bien évidemment, enfin, des tests de compatibilité avec les smartphones. On ne va pas oublier pour autant l'intelligence artificielle et quelques outils qui pourront être adaptés à l'aide à la gestion de votre contenu du texte.